Super Luc 22 en direct de la France et aujourd'hui donc une petite vidéo sur Minecraft. Donc on est sur mon serveur World of Minecraft et donc aujourd'hui on est sur une map fun. Donc ce qui explique un peu toutes ces obsidiennes. On avait des plugins comme le plugin Meteor qui a donc créé ces énormes massifs. On a le plugin Portal, donc je suis modo, donc j'ai tous les droits. Exemple du plugin Portal. C'est créer un portail par exemple, allez, bleu là-bas, vous allez voir, et un bleu, un truc de là-bas, et rouge là-bas, et rouge là-bas, normalement, bon, bref, et rouge ici, voilà, et voilà, comme vous voyez, ça passe au travers, c'est magnifique. Et donc, on passe au travers, bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça. En parlant de cette map fun, qu'on a le droit total au give et au tout ça, j'en ai profité pour faire un petit pixel art. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un bon. Donc, ce que j'ai fait comme pixel art, c'est ça. C'est cette petite bouille là. Voilà. Donc, c'est cette petite bouille. Donc, voilà. Mon pixel art de moi-même. Donc il a une couronne, mais en fait non, c'est une terrasse. Parce que oui, j'ai lu de lycée dedans. J'ai pris à peu près une heure et demie à le faire. Donc je me suis aidé d'un de screenshot que j'ai fait grâce au mode Face You. Donc voilà. Et il est habitable. Enfin, ouah. Ah oui, donc ça c'est un truc du plugin Portal, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas pris de dégâts de chute grâce à mes bottes en diamant. Donc ici, il y a deux entrées. Il y a énormément d'échelles et de trappes et de portes. Hein. Oula, je vais peut-être arrêter de prendre le portal gun. Voilà la première trappe. Ici, on arrive dans le hall avec un magnifique tableau. Sur les côtés, nous avons... là, après, c'est trois échelles qui mènent au même endroit. Et ça, je ne sais pas encore. Un couloir. Voilà. Ensuite, sur les côtés, donc ça va être pareil. Là, c'est pas encore fini, mais là, c'est fini. Des piscines. Deux petites piscines comme ceci. On descend. Et pouf. Voilà, une guerre se prépare hein, sur le serveur, donc je ferai peut-être une vidéo parce que je vais prendre part à la guerre d'ici quelques temps. Donc je ferai peut-être la vidéo par le côté. Et puis là-haut, on arrive à la tête, dans la tête. Donc la tête, c'est la salle des tableaux. Et juste au-dessus, au niveau du front, c'est la chambre. Avec deux lits, quasiment. Et là, sur la tête, la terrasse. Je suis le maître de moi-même. Et après, je fais ça. 1, 3, 6. Et voilà. Donc, c'était Super Luc 22 et Super Luc 22 en direct de la France. Salut tout le monde, c'est Super Luc 22. Et aujourd'hui, donc, comme vous voyez, on est sur une petite vidéo de Minecraft. Je suis sur la map Finlande. Et comme vous voyez, le creeper s'amuse bien. Voilà, c'est juste pour ça. Pour montrer qu'un creeper, ça rigole aussi. Ça a une âme. Il ne faut pas les tuer. Jamais. Non, je vous tire la dark. Oh, il a cassé. Bon, allez, c'est le monde. Et salut tout le monde, c'est Super Luc 22. Et aujourd'hui, on est sur une petite vidéo sur Minecraft. Et je suis en mode créatif. Alors, en mode créatif, je suis apparu juste un peu plus loin là-bas. Et quand j'ai commencé à voler un peu, j'ai aperçu ces deux tours de verre. Alors, c'est no fake, hein, je vous jure, elles étaient là. Et donc, j'ai voulu creuser, voir un peu ce qu'il y avait en dessous. Et donc, j'ai creusé jusque le plus bas que je pouvais sur la tour. Et regardez un peu ce que j'ai trouvé. On descend en bas et voilà, j'ai trouvé un donjon. Donc je vais l'explorer avec vous. La dernière fois avec SamKiller225, bon, je lui avais fait une blague avec le donjon et ah oui quand même, j'ai des torches, Ah oui donc les donjons sont moyens niveau la modélisation, mais waouh la vache, c'est beau. Les portes. Ah bah, on va casser la porte. Hein.
dirait une prison ici. Ah! Double creeper! Double creeper! Alors attendez. Je vais remettre en peaceful pour pouvoir explorer sans trop de problèmes. Donc. Il y a encore des zones ici. Ah, c'est des vrais labyrinthes ces machins. Et même pas un coffre. Bah dis donc. Ah! Ça s'arrête. Bah, on va essayer de continuer l'exploration de cette ruine. Donc il y a des blocs cassés, des blocs de ruines, des blocs musicable ruines. Je sais pas comment on les appelle en fait. On explore. C'est bah dis donc. Hein. Ils sont c'est très très ouah de la lave. Et donc ah, bah, dis donc. C'était quoi ça? J'ai cassé un truc? Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait comme une petite fumée. C'est bizarre. Bon. Eh bien, continuons. Je casse tout. Bon. Alors. Continuons l'exploration de cette ruine. C'est très, très, très intéressant. Ça. Alors, je vous jure, c'est du no fake. Hein. Wow. Ah oui. Ah ouais non mais. Alors, juste le seed. Est-ce que le seed, Amy? Je ne sais pas. Donc oui, je suis en 1.9.3. Je ne vois pas où. Ah. Alors regardez bien le seed. Alors, si vous voulez voir le donjon, regardez bien le seed et voilà. Vous aurez le donjon à l'entrée dans une partie créative avec le seed, avec ce seed. Salut tout le monde. Ouais, salut tout le monde, c'est ReSuperLuc22 et voici donc le donjon, bah la ruine. Et regardez ce que j'ai trouvé dans cette ruine en explorant un peu plus profond. Une bibliothèque qui est d'ailleurs assez bien modélisée. Tu me lâches. Voilà. Toile d'araignée aussi. Hein. Ça laisse entendre à des araignées bleues. En visitant. Wow, un coffre. Donc, ah voilà, regardez ce qu'on trouve. On trouve des livres de temps en temps. Il doit y avoir un autre coffre alors, c'est-à-dire. Je pense que ça doit être ça. Ah, en tout cas, il y a de l'or. C'est. Alors après, ça s'arrête. Après, ça s'arrête. Donc voilà, et j'ai vu autre chose. Bon, voilà, hop, ça finit. J'ai vu autre chose un peu plus loin, je ne sais pas encore ce que c'est. Et voilà, c'est là. Oui, je pense que c'est un cul. J'ai un assistant à côté de moi. ouais, non, c'est pas un puits. Il y a quelque chose en haut. Ah, un coffre. Avec du charbon dedans. Comme vous voyez, on trouve des coffres de temps en temps. Oh là 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 là. Wow, c'est immense. C'est juste immense. En plus avec du bois, ils ont tout fait avec du bois. Alors moi quand je vois ça, je dis bravo Notch. Une porte qui ne mène à rien. À rien. C'est... On va la faire mener à quelque chose. Voilà, c'est bon. Maintenant elle mène à quelque chose. Ouais, c'est... Waouh, quand même, pas mal. Bon, allez, salut tout le monde. Alors rebonjour à tous, c'est ReSuperLuc22 et donc encore une troisième partie sur cette vidéo du donjon. J'avais obligé de préciser dans l'ancienne vidéo que j'étais en 1.9.3 et qu'il y avait quelque chose de nouveau dans 1.9.3. C'était un château d'enchantement pour enchanter les objets avec des blocs de cristaux indestructibles. Donc on va aller voir s'ils sont vraiment indestructibles ces blocs de cristaux. Nous sommes rentrés donc dans la deuxième tour et nous avons vu ça. Les voilà, ce sont des blocs indestructibles qui ne sont pas indestructibles. Non, on est en mode créatif, donc c'est un peu normal. Mais je ne les vois pas là-dedans. Donc c'est un peu bizarre. Non, c'est de la glace. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Il n'y a rien en dessous.
Voilà les fameux châteaux. Avec les blocs de cristal et tout. Alors peut-être, peut-être on aura un nouveau minerai, le cristal. Et regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage à mobs? Des silverfish. Regardez. Normalement, il devrait apparaître. Mais il y a du silverfish, donc maintenant le mob du silverfish n'est plus un mob caché, c'est un mob réel. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Peut-être qu'il y a autre chose par là-bas. Non. Bon, voilà. Alors c'était juste pour montrer ça, parce que c'est quand même le truc important de la 1.9, ce truc. Donc allez, salut tout le monde.